Alors, Dominique, que représente pour toi la remise du Grand Prix Top Phare qui récompense l'ensemble de ta carrière ? Et ce prix est arrivé et vraiment a amené une grande bulle d'air frais, voire un genre de ressort. Ça m'a vraiment redonné confiance, mais ça a aussi complètement consolidé des relations déjà très, très amicales, fraternelles avec l'art en Suisse. J'ai trouvé ce prix aussi formidable pour avoir l'occasion de travailler avec vous et de collaborer avec des étudiants, tant sur les questions de workshop, et de transmission d'une forme de savoir et de portes qui s'ouvrent de nous vers les étudiants, et puis que ça revienne des étudiants vers moi en étant dans une confiance d'échange. Et donc voilà, c'était très très chouette, et d'avoir l'occasion de travailler avec les étudiants, avec vous en particulier, et d'ouvrir des portes sur mon travail vers des horizons, c'est le cas de le dire, que vers lesquels moi je ne serais jamais allée, quoi. Voilà. Mêler les objets, le trois-dimensionnel avec le rapport 2D de ces paysages qui s'ouvrent en fenêtre comme ça, c'était super. Alors là, tu travailles actuellement avec les étudiants de la HED et de l'ESBDI sur un workshop. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce workshop, sur son contenu, sur son résultat ? Ce que je peux dire, c'est que ça a été une expérience très, très particulière. Probablement, en ce qui me concerne, peut-être le meilleur workshop que j'ai vécu, en dehors de ceux que j'ai fait avec vous, évidemment. Mais il y a eu une dynamique juste de ma boule, enfin, bon, disons-le. Alors, j'ai pas très bien compris comment ça a été possible, mais les étudiants ont bossé comme des fous, sans relâche. Après, moi, j'ai l'habitude d'essayer d'ouvrir le médium vers une bande dessinée très expérimentale et de permettre aux étudiants de peut-être renverser les habitudes d'approche. Voilà. Et donc, on repousse au maximum les frontières du champ artistique, et on essaye peut-être d'approcher par des angles complètement inattendus. Alors, spécifiquement ici, pour ce workshop, je me suis amusée à venir avec une sorte de thématique qui n'est pas souvent vraiment exploitée en bande dessinée, c'est le son. Comment le son, le bruit, évidemment pas spécialement les dialogues, mais plutôt tout ce qui ferait un environnement sonore dans un récit. Et donc cet environnement sonore, ce serait presque comme l'axe central de la bande dessinée. Bon, en tout cas, j'ai été extrêmement impressionnée par les résultats qu'il y a eu et surtout l'échange. Moi, je reviens quand on veut, que ce soit à la HED, que ce soit à le SBDI, et puis et c'est le moment de se dire un grand, grand, grand chaleureux merci. Avec tout mon cœur. Exactement, pareil. De même.